Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouvel épisode à l'aube du niveau 50, jour 87, et où, pour l'instant, tout va bien. Tout va bien, j'ai été faire quelques explorations dans ce secteur-ci, puis dans ce secteur-là. Il me manque encore ce secteur-là et ce secteur-là. Je pense que celui-là, je le ferai en bateau. Celui-là, je l'ai fait à cheval. Et j'ai trouvé un village de l'autre côté de cette montagne. Mais potentiellement, il ne m'intéresse pas énormément. C'est un village dans le même biome, un village de plaine. Donc potentiellement pas super intéressant. Avec un développement qui pour l'instant ne me passionne pas. Donc je vais rester sur celui-là qui lui se développe plutôt bien. Avec quelques bugs. qui font que, par exemple, j'ai donc un cartographe ici et il veut pas descendre de là. Donc, à la base, le villageois est monté ici et il voulait pas descendre. Donc, sauf à casser toute la zone ici, je voyais pas comment faire. Donc, j'ai installé une table de cartographie. Il est devenu cartographe. Puis je me suis rendu compte qu'il descendait pas dormir, donc je vais monter un lit. Bon, c'est un petit peu nul, donc je vais réaménager tout ça de manière à ce que ça lui fasse un petit coin rien qu'à lui. Voilà. En dessous, j'ai remis l'alambic ici. Il était tout là-haut dans l'épisode précédent. Parce que là encore, le villageois qui prenait, enfin le prêtre que j'avais, et il a tout simplement disparu. Alors est-ce qu'il a perdu le chemin et qu'il est redevenu un villageois classique, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il me propose lui? Ouais, aucun intérêt. Les orchidées bleues, la teinture bleu clair et des bûches de sapin que je pourrais trouver ailleurs. Bon, pour une fois, je vais pas les exterminer. Mais je vais pas le laisser ici. Donc, disais-je, cet épisode, alors voilà le village avec beaucoup de monde et encore du nouveau monde, donc on va commencer à être un petit peu coincé au niveau des lits. Dans cette zone il y a une quinzaine de lits, en dessous deux lits, deux autres lits dans la maison là-bas. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul là-bas, tiens d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Oui, on s'occupera de ça après, au mon retour. Parce que donc dans cet épisode, je vais aller vous montrer. Voilà, là-bas, il y a un seul lit, là, il y a deux lits. Par là-bas, il y a deux lits. On va voir ça, et puis on va peut-être ajouter une maison dans ce secteur-ci pour pouvoir faire dormir tout le monde. L'idée étant d'avoir une vingtaine de villageois, au moins, dans ce village. Ici vous pouvez voir que l'élevage est devenu du très très intensif et finalement en fait j'ai plus trop besoin de tout ça, si ce n'est que ça me donne de la nourriture et que c'est pas mal du tout. Alors vous l'avez peut-être vu, peut-être remarqué par le biais de mon inventaire quand je l'ai montré tout à l'heure, sans le montrer bien entendu, j'ai lors de mes sortie d'exploration, découvert, il est là-bas au fond, un portail abandonné, un portail ruiné. Allez, dites-moi dans les commentaires quel est le vrai nom. J'arrive pas à m'en souvenir, mais même si je vais le voir de temps en temps sur le site internet pour aller chercher des informations plus précises sur tout ça. Voilà, donc j'ai découvert ce portail avec dans son coffre des carottes dorées. Bonjour toi. Hop. Et donc je me suis dit que l'objectif principal de cette vidéo du jour, ça serait hop, de reconstruire un portail. De reconstruire ce portail là et donc d'ouvrir le chemin pour le Nether
en faisant bien attention de ne pas faire de bêtises. Et donc je me disais que j'installerais bien une petite maison ici qui me permettrait de faire un petit point pour ensuite partir en exploration dans cette zone-là et puis peut-être par là-bas. Et comme vous le voyez, à chaque fois je me fais avoir, je pars en la mauvaise période. Alors j'ai fait un petit peu de ménage, j'ai prévu ici des bottes qui me permettront d'aller en sécurité dans le nether. J'ai aussi prévu de l'obsidienne, en veux-tu, en voilà. J'ai mon briquet. Hop, on est bon. Et je vais laisser les animaux ici. Parce que j'ai pas envie qu'ils traversent le portail et que ça soit une galère pas possible pour les ramener ensuite. Ça, c'est fait. Bon, la décoration, on verra un petit peu plus tard. On y va ? Bah oui, c'est un petit peu l'objectif de cet épisode. C'est parti pour la traversée. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre mes bottes. Eh oui ! Donc si je fais une traversée mais que j'arrive là-bas en mode alors là ça va pas le faire. Hop. Parce que je voyais quelques mobs dans le secteur là-bas. Non, c'est bon. Butin, châtiment, j'ai pas fait gaffe à ça. Je savais pas qu'on pouvait mettre châtiment sur les des haches. Voilà. Allez, les deux chiens, ça devrait être bon. Ah non, je me prends quand même une pète au casque. Ah, punaise. Bon, allez, on les remet en place. Reste là. Et moi, maintenant, j'ai des bottes en or. Je peux y aller. Alors, ah, la plateforme, génial. J'ai ma plateforme et puis c'est tout, point barre. Le portail de merde. Alors, bon déjà le bon point c'est qu'il n'y a pas de ghast en train de nous tirer dessus et qui pourrait faire exploser le portail. Je déteste ça. Là, on pourrait potentiellement descendre. Mais ça serait juste pour accéder à cette zone qui n'est pas spécialement super intéressante. Non, sérieusement. Sérieusement, aucun intérêt ce portail. Allez, c'est tout. Bon, eh ben, je l'ai ouvert. Je pense que je vais pas m'attarder là-dessus. On va refaire le plein de tout ça et on va lui laisser sa structure de base. Je vais quand même récupérer un petit peu les décors pour le futur, le prochain. Hop. Mais sans rire, ouais, ça franchement là, un petit peu déçu. Tac, tac, tac. Hop. Je vais aussi récupérer l'or qui est tout là-haut. Voilà.
me faire une petite capture d'écran. Hop, pour la miniature. Quoi ? Oh non. Hop, on va prendre ça. Mais non, c'est pas ça que je voulais prendre. N'importe quoi, c'est le poulet. Hop, tenez. Voilà, donc je disais... Hop. J'y arriverai pas. Allez les animaux. Voilà. Hop. Capable de me faire baffer. Pendant que je suis en train de faire ma capture d'écran. Eh oh, ça va, oui. Voilà. Bien. Et ben donc, ça sera pas... Hop. Ce portail que l'on utilisera pour nos prochaines explorations. C'est pas bien grave, on en trouvera un autre. J'ai tellement d'explorations à faire. Et c'est aussi ça que j'aime bien dans le jeu. Donc je me suis pas donné d'objectif. Hein. Enfin, j'en avais parlé un petit peu. Il y avait le mine shaft dans lequel j'ai... Je me suis enfoui. Non, je suis parti à la recherche de pas mal de choses là-bas. Mais finalement, j'étais plus à la recherche de charbon pour faire évoluer les personnages, les villageois. Donc finalement, je suis parti à la recherche d'autres éléments à l'extérieur. Et c'est comme ça que je suis tombé donc d'un côté sur le village et de l'autre côté ici sur ce portail. Mais on va l'oublier et on mettra un portail à un autre endroit. Alors je sais pas trop si je vais chercher un autre portail ou si je vais en créer un, parce que vous avez vu que j'ai ce qu'il faut. Potentiellement je pourrais tout à fait en créer un, le positionner à ma guise où je veux. Oula, qu'est-ce qu'on fait? On a une équipe là. Il y a un rassemblement. Et les chiens là réagissent pas pour l'instant. Ah, toi t'étais pas là. Allez. Petit jeu de massacre. Ouais, je suis étonné, les chiens ne réagissent pas vraiment beaucoup. Là. Voilà. Je t'ai vu. Eh non! Oh! Pardon. Mais non, je l'ai tué. Oui. Eh ben, bonne armure lui. Alors, j'ai dit bonne armure. Je ramasse rien. Non, juste un casque en or. Bouf. Allez. Ah, j'ai entendu de la lave. Il y a de la lave là-dessous. Ok. Ouais, bah, ça serait pas mal. Oh, quoi que non. Je dis ça, je cherche de quoi alimenter mes fours, mais j'ai ce qu'il faut. Donc, c'est pas indispensable. Bon, bah voilà. Une petite aventure. Dans le Nether, mais pour rien. Est-ce qu'on en fait une vidéo? J'en sais rien. C'est pas extraordinaire quand même. Hop, on va faire un peu de place là-dedans.
Voilà. Comment savoir ce qu'il faut comme matériel? Les carottes dorées, il faut que je regarde si ça nourrit aussi bien que ce... que mes bons morceaux ici de steak. Ça, on va mettre ça ici. Vous voyez que j'ai refait de la TNT, hein. Je ne désespère pas de savoir l'utiliser. Hop là, allez, on va refaire un peu le plein ici. J'ai un chien qui a disparu. Et on va s'arrêter là parce que bah malheureusement, j'ai pas grand-chose d'autre à faire pour ce petit épisode. Je pense que je vais partir en expédition avec le bateau dans cette direction-là, manière de pouvoir vérifier s'il y a d'autres choses par là-bas. Et je dois avouer que je devrais pouvoir faire la même chose dans l'autre sens par là. Alors, on va remonter. Hop. Tout là-haut. Voilà. Par là, on a la mer. Ça pourrait faire une expédition sympathique. Chercher un bateau, un trésor en bord de mer. Mais on a aussi cette expédition qui nous emmènerait certainement dans d'autres biomes. À voir, ça sera pour le prochain épisode. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, peut-être plus intéressantes que cette virée rapide et décevante dans le Nether. À très bientôt, salut!